Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Opium Actu, l'actualité des jeux vidéo, une semaine assez riche en infos. Et on commence avec les news de la semaine avec cette phrase « Piratez-le si vous ne pouvez pas l'acheter ». Ces paroles étonnantes viennent du chef designer du studio Denaton Games, poursuivant avec « Pas besoin de nous envoyer de l'argent, profitez juste du jeu ». Alors que l'Australie se fait de plus en plus remarquer pour sa rigidité vis-à-vis de l'industrie vidéoludique à tendance violente, dernier exemple en date, la sortie de GTA V contestée par un groupe de défense des prostituées, cette fois-ci c'est le jeu Hotline Miami 2 qui pourrait bel et bien être banni en Australie à cause d'une scène de viol. Devolver, éditeur du jeu, confirme les propos, ce qui est plutôt étonnant, mais bon, on reste dans le milieu indé, et on peut dire que ça fait parler de leur jeu qui devrait sortir le premier trimestre 2015 sur PS3, PS4, PS Vita, PC et Mac. Le club Nintendo va bientôt fermer, il s'agit d'un club regroupant les fidèles de la firme de Kyoto, qui sont récompensés par des goodies ou autres babioles, des jouets, des posters et des jeux téléchargeables. La fermeture se fera en plusieurs étapes successives, suivant les pôles commerciaux. Lancé fin 2003 au Japon et fin 2007 en Europe, ce service s'arrêtera définitivement le 30 septembre 2015 et sera remplacé par un autre service similaire. Le club Nintendo, c'est quand même 6 millions de membres en Europe, et c'est pourquoi la New Nintendo 3DS et 3DS XL ne seront pas pourvues de ce service. Le 23 janvier, la Chine a eu le plaisir d'accueillir une bêta fermée de Borderlands, le MMO FPS de Gearbox. Après 10 ans de protectionnisme contre les consoles étrangères, la Chine a récemment ouvert le pays, Microsoft et Sony se sont décidés à lancer la Xbox One et la PS4. La tâche sera compliquée étant donné le goût qu'ont pris les Chinois aux jeux sur PC et surtout au free-to-play. C'est pourquoi beaucoup d'éditeurs commencent à lancer leur free-to-play sur le marché chinois. Ce sera donc le cas de Borderlands qui sera disponible en free-to-play comme ce fut le cas pour Call of Duty Online, un free-to-play exclusif à la Chine. Activision et le géant chinois Tencent se sont donc associés pour créer ce jeu inspiré de Modern Warfare. Aura-t-on la chance de voir ces deux jeux gratuits débarquer en Europe? Rien n'est moins sûr. Alors certes, les éditeurs testent ces jeux sur ce marché, mais c'est surtout qu'ils adaptent à ce marché en proposant le bon produit à la clientèle chinoise. Cette semaine, la mise à jour de Steam a rajouté une fonctionnalité, le streaming vidéo, afin de concurrencer Twitch. En bêta depuis début décembre pour tester ses serveurs, le service est enfin ouvert sous le nom de Steam Broadcasting et vante sa simplicité d'utilisation pour partager ses parties entre amis, voire avec le monde entier si vous le souhaitez. Un service donc gratuit et accessible à tous, auquel Steam rajoute également un compteur FPS, c'est-à-dire images par seconde, à activer dans ses réglages. La guerre du streaming continue bel et bien. Allez, on passe avec les sorties à venir, alors que beaucoup attendent la sortie de The Witcher 3. Dans quelques semaines, le studio CD Projekt sort le 22 janvier un MOBA en free-to-play nommé The Witcher Battle Arena, prévu sur Android et iOS, ainsi que sur Windows Phone et tablette Windows. Un MOBA en 3 contre 3 avec des personnages familiers de la série The Witcher. D'après le studio, le modèle économique sera équitable, puisque chaque avantage payant sera aussi débloquable en jouant. Donc a priori, une tournure qui ne serait pas un pay-to-win. Le 23 janvier sortira Grey Goo, développé par Petroglyph, fondé en 2003 par des anciens de Westwood Studio, ceux qui avaient créé Alerte Rouge et Command & Conquer. On aura donc droit ici à un STR, un jeu de stratégie en temps réel, où s'opposeront trois factions, humains, bêta et goose. On revient aussi au principe de base des STR, c'est-à-dire la récolte de ressources, la construction de la base et la gestion d'unités en mode solo ou multijoueur uniquement sur PC. Sur PS Vita sortira le 27 janvier Nihil Umbra, un jeu indé du studio espagnol Beautiphone Games, déjà disponible sur iOS puis PC depuis 2 ans. Ce puzzle platformer original vous emmènera dans un monde poétique mais sombre, dans lequel l'utilisation de 5 couleurs débloquables une à une vous serviront à résoudre des défis en appliquant les couleurs sur les environnements. Un voyage artistiquement très bien réalisé à travers 7 niveaux, dans la quête principale, aux énigmes assez simples, puis un genre de New Game Plus où vous pourrez refaire l'aventure, mais cette fois beaucoup plus difficile, une expérience intéressante pour les amateurs du genre. Cities XXL sortira lui le 29 janvier, plus de 70 environnements de l'archipel tropical aux montagnes enneigées, 1000 bâtiments pour ce 5e jeu de la série jouable via Steam, et l'épisode introduira surtout les créations communautaires via le Steam Workshop sur PC. Si vous êtes fan de ce genre de jeu, sachez aussi que Cities Skylines, un autre city builder, sortira cette année. Le 30 janvier sortira également Life is Strange, un jeu d'aventure développé par le studio français Dontnod, déjà à l'origine de Remember Me il y a 3 ans. On y incarnera le rôle d'une adolescente pas comme les autres dans ce jeu qui se veut narratif et épisodique.
La jeune fille a aussi un pouvoir, celui de contrôler le temps pour revenir un peu en arrière, orientant le gameplay autour de cela. Le jeu est visuellement très beau et il sera édité par Square Enix, puisque ce sont les seuls qui auraient accepté d'éditer ce jeu, les autres ayant été plutôt réticents pour un jeu avec un personnage féminin. On voit que Dontnod s'est fait reconnaître son travail par de gros éditeurs, puisque Capcom avait déjà édité Remember Me. Sachez aussi que Dontnod a révélé cette semaine qu'ils travaillaient d'ores et déjà sur leur prochain jeu, un action RPG nommé Vampyr. Pour cette semaine, voici un trailer et donc un jeu qui m'a intrigué, c'est pourquoi je vous le montre en vous donnant quelques infos. Il s'agit de Pneuma, Breath of Life, qui sortira sur Xbox One le 27 février en exclu pendant 30 jours, puisque le jeu est actuellement en greenlight sur Steam et devrait donc sortir sur PC fin mars, compatible avec l'Oculus Rift. Produit par Deco Digital et Bevel Studio, il s'agit d'un jeu d'exploration et de réflexion en vue subjective. On se place donc dans la peau d'un dieu et on doit interagir avec son environnement, résoudre des énigmes basées sur l'observation et la perception des environnements. Développé avec le tout beau et tout neuf Unreal Engine 4, le jeu se veut assez narratif puisqu'une voix agrémentera le jeu par de nombreux monologues sur le sens de la vie et la nature humaine, tout un programme philosophique. Pneuma fait aussi la part belle à l'utilisation du PBR, Physically Based Rendering, c'est-à-dire une gestion de la lumière, des éclairages, leur réflexion sur les objets rendant les décors plus réalistes comme vous pouvez le voir sur les images. On se croirait dans un logiciel d'architecture 3D un petit peu. En tout cas, la direction artistique a l'air convaincante, reste plus qu'à voir si le gameplay s'annonce aussi prometteur pour ce jeu, Pneuma Breath of Life. Aujourd'hui dans le Zoom, on va s'intéresser sur le jeu H1Z1, sorti le 14 janvier sur Steam en Early Access, un jeu développé par SOE, Sony Online Entertainment. Il s'agit d'un énième jeu de survie de style MMO, dans lequel on peut se battre contre des zombies. Le jeu devrait sortir en version finale fin 2015, mais si je vous parle de ce jeu, c'est qu'il y a eu plusieurs faits étonnants depuis 10 jours qu'il est sorti. Alors déjà, quand le jeu a été dispo, la machine marketing de Sony avait bien orchestré le truc en sponsorisant plus ou moins de grands streamers de Twitch américains pour qu'ils montrent le jeu à leur communauté. Certains avaient même des t-shirts H1Z1, beaucoup de joueurs se sont donc rués dessus. Et du coup, devant le trop grand nombre de joueurs en ligne, les serveurs ont complètement planté. Finalement, la soirée fut un fiasco puisque les serveurs n'ont jamais été remis en marche de la nuit, mais seulement que le lendemain. En plus, dans le jeu, pour le moment, rien, sinon presque rien, pas de zombies, quelques animaux et surtout uniquement d'autres joueurs connectés qui se baladent sur une grande carte vide. Beaucoup de youtubeurs, même francophones, font des vidéos ou stream sur ce jeu. Alors c'est drôle hein, de faire des vidéos sur un jeu buggé et vide avec ses potes. Hein. Alors je comprends bien que nous sommes dans une early access, hein, le jeu est buggé, c'est encore très loin d'une version finale, mais le pire c'est que le jeu est quand même vendu à 20€ ou 40€, donc pour ce prix vous obtenez le jeu, et selon le prix vous obtenez plus ou moins d'objets divers utilisables dans le jeu. Alors le plus incroyable c'est que le jeu dans sa version finale sortira en free to play, c'est-à-dire qu'il sera gratuit au téléchargement. Donc on fait payer une early access pour un jeu gratuit plus tard, là je pense qu'on a passé un cap à cet instant dans le monde vidéoludique. Alors oui pour 20€ on a quelques avantages, mais enfin sur le principe je trouve ça moyennement correct. Alors pour couronner le tout, le président de SOE avait annoncé qu'aucun avantage pour la survie ne serait payant par la suite, seul du cosmétique serait payant dans la version finale. Les joueurs ont donc été assez surpris de voir qu'en fait ce n'était pas vrai, puisque pour 5$ on peut s'acheter ce qu'ils appellent des airdrops, ce sont des largages de ressources, d'objets qui tombent du ciel dans un rayon de 700 mètres autour du joueur. Le joueur devra attraper sa pochette cadeau avant qu'un autre ne la lui pique sous les yeux, ouais c'est le jeu qui est prévu comme ça, la chasse aux ressources. Il y a donc eu une levée de boucliers contre cet avantage important, payant, alors qu'il ne devait pas y en avoir. Le président de SOE s'est donc excusé pour ce quiproquo, il aurait oublié de le souligner dans sa conférence, etc, etc. Du coup, pour s'excuser, SOE a proposé le remboursement ce week-end du jeu à ceux qui ne le voulaient plus, une offre uniquement disponible pour 3 jours. Le principe de l'early access commence à poser certaines questions aux acteurs du jeu vidéo. Les jeux de survie ont la cote, hein, c'est certain. Alors même si on est avec Sony, il y a peu de chances que le jeu soit annulé, même si le risque est possible. Mais ce n'est pas sans rappeler deux autres jeux, dont un que j'avais déjà évoqué, le cas de Stomping Land, que Steam avait viré de la plateforme, puisque aucune mise à jour n'était faite depuis un bout de temps. Le studio a dû se barrer avec la caisse sans remercier ceux qui avaient payé. Ou encore DayZ, un autre jeu de survie dont le développement stagne beaucoup depuis un an. Voilà, c'était la petite histoire sur l'Early Access et la méfiance à avoir sur ce principe de commercialisation des jeux vidéo, et donc sur le jeu H1Z1. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !